Salam! Shalom! Salom! Ah! Voilà de quoi faire sauter le train-train des discours quotidiens! Salom! Eh, c'est pas forcément un homme sale, hein. Monsieur propre peut être un sale homme. C'est pas un être qui a un défaut, mais un défaut qui ronge l'être. On dit défaut d'être, pour dire pour certains l'inconvénient d'être ou d'exister. Comme quand on dit tiens, bah celui-là, il aurait mieux fait de pas être, de pas exister. Mais ça nous concerne tous, et sans exception, cette folie d'être, du trop. Et c'est être fou, par un autre tour de folie, que de se sentir à l'abri de ce genre de disqualification. Cette disgrâce qui nous frappe plein visage. Ouais, nous sommes de sales hommes. Alors certains diront que c'est à cause du péché, et puis d'autres que c'est parce que nous sommes mal légers. Mais seulement voilà, il en est ainsi, et il ne peut pas en être autrement, l'homme est sale. Quoi de plus banal ? Injure ou parjure ? La saleté n'en demeure pas moins le propre de l'homme. Remarquez, il vaudrait peut-être mieux avoir les mains sales que pas de mains du tout. C'est tout le charme discret de l'opposition entre éthique et politique. La politique a toujours les mains sales. Mais l'éthique, il a pas de mains du tout. Ou en rêve. On peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Et ce lieu commun en dit long sur l'impossible mariage entre le vice et la vertu. Le bien en politique, c'est la force. D'où le vice. Et ses diverses fortunes. Mais la force sur le plan éthique, bah c'est de dénoncer la force. D'où les infortunes de la vertu. Pas de chance. On peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Ah, encore un lieu commun, pour dire qu'on n'a pas le choix. Soit on affirme le primat du politique, en disant que tout est force et rapport de force, et soit on affirme le primat de l'éthique, en disant que le plus fort n'est jamais assez fort pour être le maître, que le bien et la bienveillance restent nos vrais, véritables recours. Donc, rêve. Sale homme, où sont passées tes valeurs, hein? Faut savoir ce que tu veux. Maltraiter ou être maltraité? Dire le mal ou te l'entendre dire? Ni l'un ni l'autre, hein, je te vois venir. La big réconciliation entre éthique et politique, entre arabes et juifs. Tu rêves d'un monde meilleur, d'un autre traitement des déchets, d'une politique qui te débarrasse de toutes les souillures. La fin de la marche, la trêve quoi. Donc rêve, rêve, salome. Parce que ta morale ne sera jamais ni saine ni sauve. Entre politique et éthique, le serpent se mordra toujours la queue. Le cercle est vicieux et peut pas être vertueux. Mais soyons réalistes, n'exigeons pas l'impossible. Parce que l'être humain est ce qu'il est. Au cœur d'une intrigue ou d'une sombre alternative, ou bien, qui fait plus de mal que de bien, tu es au four ou au moulin, mais pas à deux endroits à la fois. La main sur le cœur ou la main à la patte. Tueur, pour que ta cité soit pas perdue. Ou rêveur, pour ne pas perdre ton dû. Et quand t'as compris l'inutilité de ces salamalecs, on se permet de te dire sale mec, même si t'étais le premier d'entre eux, en sachant que les premiers seront les derniers, et que les derniers, eh ben, ils resteront les derniers. راك سلعة الخمة تشيخ شراسة يا وماني.